Coucou! Je vais essayer de voir les commentaires. Peut-être que je devrais mettre... Non. Je dois laisser mon téléphone comme ça, les filles. Ouais, je ne serai pas dans le bon sens, mais... Ah si, je suis dans le bon sens, c'est bon. Alors... Coucou tout le monde! Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Ok, super. Coucou. Super, ok. Je vais encore attendre un peu si jamais il y a du monde qui arrive. Pas longtemps, hein, mais... L'objet que j'ai près de mon pinceau, ça, c'est une spatule. Ça sert à mélanger les gels, à attraper des gels. Voilà, ça sert à plein de trucs. Ok, bon ben on va commencer. Donc, présentation de l'acryl gel. Alors, l'acryl gel, c'est quoi? Ben, on va dire que c'est un mélange, c'est un bon compromis entre le gel et la résine. Ok? Donc, il y en a beaucoup qui vont dire, oh, c'est du gel mélangé avec de la résine, mais non, c'est tout un autre procédé quand même. Mais effectivement, si on mélange du gel avec de la résine, on va avoir plus ou moins le même... la même texture, mais voilà, ça sera pas la même chose, ça va pas catalyser de la même manière, ça va mal catalyser. Donc voilà. Alors, donc moi ici je n'ai que trois couleurs, le clear, le white et le cover. Je pense que ça doit être le cover pink. Je suis pas sûre, je sais pas si c'est le pink ou le nude. C'était des échantillons que j'ai reçus à Jana pour les tester avant que ça ne sorte. Parce que voilà, j'avais proposé le produit à Jana et vraiment merci beaucoup Jana pour l'évolution que tu fais pour les produits. Ils sont vraiment top. Donc voilà. Alors, donc on va commencer par le plus impressionnant avec l'acryl gel. Donc pour moi, le plus impressionnant, c'est de travailler un reverse à une rapidité incroyable et où il ne faut pas relimer les murs parce que en général on arrive à faire son mur correctement, vraiment bien, sans devoir le relimer. Alors l'acryl gel, ça va se travailler un peu comme de la résine. Ouh là là, il y a Jana qui regarde. Hello Jana. Donc l'acryl gel se travaille un peu comme de la résine. Alors il faut savoir que en général personne n'a de difficulté à travailler cette texture, d'accord? Une fois qu'on a montré et qu'on a attrapé le bon geste, il n'y a aucun problème. Par contre, pour les filles qui désirent après apprendre la résine alors qu'elles ont déjà travaillé de l'acryl gel, eh ben elles vont travailler la résine les deux doigts dans le nez. Par exemple, Audrey, qui est notre ambassadrice Jana Nails, elle travaillait avec ce style de produit dans une autre marque. Et quand elle est venue apprendre la résine, ben, elle a travaillé la résine vraiment les deux doigts dans le nez parce que c'est vraiment la même manière de travailler. Ce sont les mêmes gestes, sauf que ici, vous allez avoir vraiment plus facile à le travailler que la résine. Parce que la résine, quand vous venez la placer, il y a un temps pour la travailler. C'est-à-dire que si vous la travaillez trop vite, elle coule. Si vous attendez trop longtemps,
elle va être trop dure à travailler, elle va sécher, d'accord? En fait, l'acryl gel, ça a la texture de la résine au moment où elle est bonne à travailler. Alors, Chloé, ça m'intéresserait justement pour le cover. Peut-on travailler tout en gel et le cover en acrygel? Oui, Chloé, tout à fait. Tu peux vraiment faire ça. Donc, c'est ce que je dis. La première chose que je vais montrer, c'est vraiment uniquement travailler avec le cover. Donc, ça veut dire que vous pouvez faire votre extension chablon en gel. Vous venez faire votre cover avec l'acryl gel. Ensuite, vous venez mettre votre couleur pour la French sans problème et vous venez refermer votre French avec votre gel comme d'habitude. Donc, ce qui est vraiment super intéressant, c'est ça, c'est le cover, ok? Après, donc, on a le clear, on a le white qui, eux, sont super intéressants aussi. Avec le clear, on fait vraiment le rallongement chablon comme pour le gel, il n'y a aucun souci. Alors, vous voyez que ça a une texture très dure, d'accord? Donc, c'est quelque chose qu'on ne sait pas attraper avec le pinceau. Il faut l'attraper avec une spatule, d'accord? Alors, si vous avez des questions, bisous de Madrid, bisous de Belgique, Sophie, et bonne merde à toi. Donc, normalement, Audrey, ben Audrey, je vois qu'elle est là. Daisy est là aussi. Donc, Audrey et Daisy ont vraiment l'habitude de travailler ce genre de produit. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous diriger vers elles aussi pour y répondre. Normalement, elles vont suivre le live et elles peuvent aussi répondre à vos questions si je les rate parce que voilà. OK? Alors, donc, je vais commencer avec le cover. Bon, j'ai pas buffé ma capsule, je vais quand même le faire un peu. Alors, d'abord, il faut mettre une base. Ça change pas du gel, ok? Donc, on va mettre la base, n'importe laquelle. Moi, je vous conseille vraiment la Booster Bond, voilà, parce que c'est la base. D'ailleurs, il faut que je vous demande quelque chose avec la Booster Bond. Est-ce que vous la buvez? Parce que vous savez que c'est pas consommable pour manger. Parce que j'arrête pas de la commander en énorme quantité et 3 jours après, il n'y en a plus. Donc, je sais pas ce que vous faites avec la Booster Bond, mais vous pouvez pas la boire ni la manger, les filles. C'est pas bon. Donc, je peux mettre ma Booster Bond, d'accord? Ma base, n'importe quelle base. Et je vais venir chercher mon cover. Alors, le plus difficile quand vous allez commencer à travailler avec ce produit, c'est de prendre la bonne quantité. Des fois, on a tendance à en prendre trop, des fois, on a tendance à en prendre pas assez. OK? Alors, donc, ici, je vais en prendre. Donc, je n'en prends pas de trop. OK? Donc, je viens chercher mon produit dans le pot. D'accord? Donc vous voyez, je pourrais rester comme ça 2 heures, il n'y a rien qui va bouger. OK? Alors, je vais venir déposer ma matière simplement sur l'ongle. Ce qui veut dire que quand vous allez faire les 5 doigts, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Quand vous allez. Jana. Quand vous allez faire les 5 doigts, vous venez déposer cette quantité sur vos 5 doigts. OK? Quand vous les avez déposés, on va venir la travailler. Alors, pour travailler l'acryl gel, avec la résine, on a un monomère. D'accord? Pour l'acryl gel, il faut un liquide aussi, mais pas un liquide spécifique. On va simplement utiliser du cleaner. Je ne sais pas si on va le voir. Ouais, voilà. Donc ici, je vais simplement utiliser le cleaner, un cleaner classique, un cleaner simple. D'accord? Et je vais venir le mettre dans mon petit pot, il n'en faut quasiment pas. Là, ici, j'ai vidé le restant de ma bouteille. Je vais vous montrer. Donc voilà, il n'y a vraiment quasiment rien dans mon pot, ok? Parce que j'en ai même trop, ok? Donc là, mon acryl gel, il est posé. Vous voyez qu'il n'y a rien qui a bougé, ok? Alors, coucou à tout le monde. Alors oui, Donna, tu fais bien de le souligner. Ça n'a pas d'odeur. La résine a une odeur. Ici, l'acryl gel, ça n'a pas d'odeur. OK? En fait, l'acryl gel, ça regroupe tout le bon de la résine et tout le bon du gel. OK? Donc non, Elena, ça n'a pas d'odeur. D'accord? Alors, je vais tremper mon pinceau. Je prends mon petit pot. Voilà.
Je vais tremper mon pinceau dans mon acryl gel. Je vais l'essorer. Même geste que pour la résine. Ok? Bien l'essorer. Je vais même encore l'essorer un peu. Je vais prendre un coton. Je vais même encore l'essorer un peu sur mon coton. D'accord? Le cleaner sans parfum, Donna. Oui, c'est mieux. Un cleaner neutre. Et je vais venir travailler mon acryl gel. Ok? Donc, j'espère qu'on me voit bien. Alors, donc j'ai une boule. D'accord? Cette boule, voilà, si c'était en résine, ben, c'est la boule qu'on aurait en résine en ayant travaillé. Le pinceau dans le cleaner, on va vite les foutre en l'air. Alors, oui, ça, mais Jana est en train de... Il y a des pinceaux qui sont en production spécifiquement pour ça. D'accord? Hello, Mario! Donc, je vais vraiment, j'ai ma boule comme pour de la résine. Maintenant, je vais venir aplatir le bord de ma boule. Ok? Là, je vois que ça colle un petit peu. Si ça colle, je retrempe mon pinceau dans le cleaner. Hop, voilà. Simplement. Et je viens faire mon cover. J'espère que vous voyez bien. Ok, donc déjà au niveau des cuties, ça se fond tout seul. Et puis je viens simplement écraser ma boule délicatement. Ok, et puis je peux travailler mon reverse comme bon me semble. Hop. Je retrempe un peu mon pinceau parce que je sens que ça colle. Donc, même geste que pour la résine. On sent que ça colle, on renettoie son pinceau. Sauf que ici, ben, on a tout le temps de le travailler. Alors, vous allez voir aussi que au début, quand vous travaillez l'acryl gel, qu'est-ce que tu dis, Daisy, le top, tant que tu parles, ça bouge absolument. Oui, voilà, ça bouge vraiment pas. Alors, pour celles qui sont allergiques au cleaner, je sais pas, je peux poser la question à Jana, mais je ne sais pas le demander en anglais, donc je lui demanderai par message avec Google Translate. Donc, je disais que, voilà, là j'ai fait mon reverse, ok. Un problème qui n'en est pas vraiment un, mais quand on débute avec l'acryl gel, on a tendance à le travailler longtemps parce que on a tellement le temps de le travailler que voilà, on se dit oh non, là c'est pas parfait, je vais encore le travailler un peu. Oh là, c'est bon, mais bon, à un moment donné, il faut se dire stop quoi. OK? Hop. Donc je le travaille autant de temps que je veux. Là, il va pas bouger d'un poil, il se met comme on se met, comme on le met. Et regardez mon mur, je sais pas si on le voit bien. Non, j'essaye de vous le montrer correctement. Allez, montre-toi. J'arrive pas à bien vous le montrer. Ah, voilà, vous voyez, il me convient pas. Je peux encore le retravailler sans aucun souci. C'est vraiment magique, c'est vraiment le pied. Hop, je retrempe mon pinceau dans le cleaner. Je retravaille un peu. Ok? Bon, là, si je devais faire une French là-dessus, ma French serait un peu grande. Hein? Ok. Alors. Ah, voilà. Jana nous répond que... Yana, pardon. Elle nous répond que si on est allergique, on peut utiliser simplement de l'alcool qu'on trouve dans les pharmacies. Simplement ça. Ok. Donc, est-ce que vous voyez mon mur? Ok. Voilà. Alors, je vais le catalyser. Est-ce qu'il est beau au moins? Ok. Donc bon, là, j'ai pas respecté les proportions du cover. Alors, ça chauffe un peu. Ça va chauffer comme du gel. Bon, maintenant, avec les lampes UV LED qu'on peut mettre en 24 et 48 watts, voilà, vous la passez en 24 et ça chauffe pas trop, quoi. Mais voilà, c'est l'équivalent du gel. Ça va pas chauffer plus fort. OK? Donc, je vais prendre une couleur. Alors, on va prendre une nouvelle couleur. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? J'arrive, hein?
Allez, on va prendre le military. Hop, donc ça c'est le military. Pour après, là je vais continuer mon cover. Donc, soit si vous avez bien dégradé ici, vous pourrez venir recouvrir le reste avec du rose pink, que moi je n'ai pas encore vu qu'ici je n'ai qu'un cover, un clear et un white. Et ou alors ici, comme je vais le faire avec du cover, donc je vais reprendre ma petite spatule. L'idéal est d'avoir une spatule un peu plus petite quand même. Donc là, je vais venir terminer mon bombé. Voilà. Donc je ferai la même chose sur mes 5 doigts. Vous voyez que le reste a catalysé et que ça ne bougera plus. Voilà. Je trempe mon pinceau dans mon cleaner. Hop, j'écrase près de mes cuties. Ok. Oui, Erika, il chauffe comme un gel, c'est ce que je disais. Donc là, je sens que ça colle un peu, je retrempe. Les mêmes gestes que la résine. Hop. Voilà. Ok. Donc pour la pose salon, pour les reverse, c'est vraiment top, c'est d'une rapidité. Surtout que quand vous avez l'habitude après avec les quantités, vous pouvez faire votre reverse en une fois. Voilà, on n'est pas obligé de le faire en deux fois comme je l'ai fait ici, d'accord? Ici, je ne vais même pas catalyser. Je vais prendre directement mon military, comme ça je ferai d'une pierre deux coups. Ok? Où est-ce que je suis là? Ok, c'est bon. Et vous allez voir que... Hop! Mon reverse, ben, il se fait tout seul, tout seul, tout seul. Hop! Et je viens mettre ma couleur. Donc, je le redis, les proportions que j'ai faites ne sont pas bonnes du tout, hein. Hop. Plus de l'image, Patty, plus de l'image du cover quand tu maîtrises bien ta matière. Voilà, la preuve ici. Bon, alors à savoir que je suis très mal mise pour travailler, pour que vous voyez bien, ok. Donc, j'ai pas une bonne prise en main. Mais voilà, en étant mal mise pour travailler, j'arrive déjà à avoir un résultat nickel sans avoir relimé. Ok. Oui, oui, on peut le travailler autrement que... On peut le travailler en full. Je pourrais vous en faire un si vous voulez. Je vous montrerai un baby boomer, chose que j'ai jamais faite, mais je pense que ça devrait pas être compliqué. Donc voilà. Mon reverse, il est fait. Ok? Donc là, je vais catalyser. Donc n'oubliez pas que ici, cette partie-ci, je l'avais pas encore catalysée. Donc maintenant, je vais le catalyser. Ok, j'espère que j'ai rien accroché du tout. Tu adores déjà, Annick? Oui, ben moi je te jure que j'adore depuis des années. Oui, pour les baby boomers, c'est vraiment top. C'est comme la résine, c'est super facile, super facile. Donc, temps de catalysation sous UV LED, ben, moi, je mets 1 minute. D'accord? Alors, merde, j'ai été mettre des crasses. Ah, j'ai une crasse qui a été se mettre dedans. Ok, c'est bon. Donc, là, maintenant, je vais terminer avec mon clear. J'ai refermé mon military. Donc, je reprends mon clear. Ok? Donc ça, même chose, je viens mettre sur les 10 doigts, d'accord? Sur les 5 doigts quand même. Je vais refermer mon pinceau. Ok, donc voilà, je le mets sans problème, ça ne bouge pas. Je peux rester une heure comme ça, il n'y a pas de souci.
Et je viens simplement écraser. Donc évidemment, on peut rajouter des paillettes, on rajoute ce qu'on veut. Hop, je remouille mon pinceau. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Daisy et Audrey sont là, elles savent vous répondre si moi je ne vois pas vos commentaires. Donc il sera dispo dans 15 jours. Là, il a été commandé chez Jana. Donc le temps qu'on reçoive notre commande, il sera dispo dans 15 jours. Hop. Et je lisse simplement en effleurant. Je ne dois pas appuyer. OK? Hop. Et je regarde si j'ai assez de matière. Bon, là, on est sur une capsule qui est déjà bombée. Donc forcément, je ne passe pas mon temps à remettre de niveau. On est vraiment là pour vous montrer le. Je suis vraiment là pour vous montrer la matière, pas pour mettre de niveau ce qu'il faut. OK? Et voilà. Non, dans du cleaner, je trempe mon pinceau. Alors moi, je travaille avec le langue de chat. Oh, numéro. Enfin, le ovale, numéro 6, je pense, de chez Jana. OK? Mais si, vous arriverez à faire ça, il n'y a pas de souci. Alors, donc, OK, donc ça, je peux mettre à catalyser. OK, donc là, j'ai pas un cover qui a un reverse qui a été fait au top top, mais bon, voilà, je l'ai pas chipoté. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, alors, pour celles qui veulent, je vais faire une porte ouverte le 19 novembre. C'est un dimanche, donc je vais faire ça l'après-midi. En fait, je vais faire une porte ouverte découverte plutôt, ok? Donc une porte ouverte découverte pour vraiment montrer le produit. Celles qui veulent tester, je mettrai à disposition. Je serai là vraiment pour guider. Alors niveau solidité, c'est pareil que la résine. C'est pareil que la résine, c'est aussi dur que la résine. Ok? Donc c'est quand vous lavez sur vos ongles, c'est vraiment dur comme la résine. Alors je vous posterai une photo tout à l'heure. Au mois de septembre, j'ai fait une pause. C'était déjà avec ça. J'avais posté ma pause, mais j'avais pas mentionné les produits parce que ben, c'était en test. Donc voilà. Jana m'avait demandé de ne pas le mentionner. Et je viens de retirer ma pause la semaine passée. Donc je vous mettrai une photo. Niveau tenue, c'est zéro décollement. À partir du moment où on le travaille bien, où on vient bien écraser près des cutis, ou à partir du moment où c'est tout fin, il n'y a aucun souci. D'accord? Donc voilà. Alors, bon, mais je vais pas limer ici parce que c'est chiant à limer sur des capsules. Donc, le limage, ça va être entre le gel et la résine. OK? Donc, pour celle. Oui, j'ai mis du primaire et de la base. D'accord? Alors, ma journée découverte, c'est à Pontacel. Donc, moi, mon centre, il est à Pontacel. On en fera une aussi sûrement chez Valérie qui est à Liège. Je sais pas quand. Valérie est pas là pour le moment, elle est pas dispo, donc on va regarder ça avec elle. Donc moi c'est le 19 novembre et on en fera sûrement une chez Daisy à la Hulpe à la Hulpe. Oui, à mon avis, je sais pas ce que Daisy dira, mais sûrement dans le courant du mois de janvier. Tous les ongles pour toutes sortes de poses. Oui, tous les ongles, Cathy. Tous les ongles, vraiment, vraiment, vraiment. Ça, c'est. Alors en plus, un ongle rongé. Non, pas Pontacel, Neuchâtel, Pontacel en Belgique, Patty. mais si Neuchâtel, je pense que Pontacel, Neuchâtel, je pense que c'est en Suisse. Donc, ben là, tu as Nathalie Costantini qui va les recevoir aussi. Oui Chloé, là je vais passer ma commande, donc je vais prendre du stock et donc ben, à mon avis je vais faire des précommandes. Regardez bien sur Facebook, mais à mon avis ce soir je vais vous proposer des précommandes comme ça, ben, je suis sûre au moins pour les quantités quoi, parce que je pense que ça va cartonner. Donc voilà.
Oui, Nathalie Costantini va le recevoir. Elle l'attendait avec impatience, donc il n'y a pas de souci. C'est la distributrice Jeanne Hannel en Suisse, donc faut venir en train, Lydia. On viendra te chercher à la gare. Chez toi, ça dure. Oui, mais oui, je sais, j'en peux rien. Il y a tout qui part très vite. Alors, donc maintenant, je vais faire un baby boomer. Oui, donc je disais, je vais pas limer ma capsule ici, d'accord? Donc ça se dégraisse aussi comme le gel, d'accord? Il reste une couche collante. Il faut bien, 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 bien dégraisser, ok? Il faut bien insister sur le pour dégraisser parce que sinon ça va abîmer volume, d'accord? Vous allez bouffer volume, ok? Lequel fait plus naturel, je ne sais pas encore te dire parce que je n'ai pas encore reçu les autres. Moi, je n'en ai qu'un seul et je ne sais même pas lequel des deux c'est. Ok? Ben oui, voilà, comme dit Erika, il faut tous les prendre. On te demande s'il y a de l'acide. Je pense qu'il doit y en avoir un peu, hein, comme dans tous les gels, mais ce sont des acides un peu différents. Ça, il faut demander à Yana. Alors, donc, ben, on va tester un baby boomer, hein. Donc, j'ai juste dégraissé un peu ma. Bon, ben, si ça tombe, je me plante, hein, là, parce que j'en ai jamais fait comme ça. Ok, donc là, je dégraisse ma spatule. Ok. Alors, on va tester, hein. Ça doit être pareil qu'en résine. Ok. Donc, je viens mettre du blanc. D'accord. Bonjour à toutes celles qui nous rejoignent à l'instant. Vous en faites pas, je vais laisser la vidéo en replay. Ok. Alors, donc, je vais venir simplement. On voit, oui, ok. Comme pour la résine, moi je le travaille. Donc là, en fait, je le tapote simplement. Je l'aplatis. Je le lisse. Ok. Et je fonds vraiment en aplatissant mon blanc, en aplatissant le bord de ma boule, on va dire, hein. Voilà, vraiment les mêmes gestes qu'en résine, mais beaucoup plus facile parce que vous avez tout le temps. Vous vous plantez, c'est pas grave. Vous rassemblez de nouveau le produit au même endroit. Ok. Alors, les prix. Le prix, il est à 16 euros hors TVA. Oui, j'ai pas ma machine à calculer, elle est sur le téléphone. Il est à 16 euros hors taxe, hors TVA, pour les 15 millilitres et 37,80 euros hors taxe, hors TVA pour les 50 millilitres. Alors, vous pouvez un peu comparer avec les autres marques. Le prix est dérisoire, vraiment dérisoire. Vraiment, merci Jana, parce que ça. À un prix pareil, c'est la folie. Ok? Donc là, j'ai mis mon blanc. Si on regarde bien, j'ai vraiment fondu mon blanc dans la capsule. Ok? Non, hors taxe. Je sais pas si Audrey ou Daisy savent vite faire le calcul TVA comprise, combien ça fait. Donc là, je catalyse. Non, il est pas cher, Elena. Vraiment, vraiment pas cher. C'est moins cher que le gel, Annick, encore. 47,92. Non, je dis pas de bêtises. Je sais plus maintenant. Ok, donc là, j'ai juste mis 30 secondes. Je vais déjà préparer. Hop, mon rose, voilà. Ok. Donc, je prends un peu de rose. Alors, pour l'attraper, c'est vraiment un coup à avoir, d'accord? Il y a vraiment, vous allez voir qu'au début, ben voilà, merci Daisy. Il y a vraiment, au début, vous allez peut-être chipoter un peu et tout, mais vous allez voir que plus vous allez l'utiliser, et au plus, ça viendra tout seul. D'accord? Daisy et Audrey peuvent confirmer ça.
Alors, j'ai mis mon rose. Ok. Et maintenant, je viens simplement. Hop. Lisser mon rose. Donc ici, je fais pas de bombé parce que mon bombé, je le ferai avec mon clear après. Et je lisse. Donc j'ai tout mon temps. Hop. Non, c'est pas Sokoff. Et voilà, mon baby boomer, il est fait en deux temps, trois mouvements. Oui, Erika, comme je dis, c'est comme de la résine et tu vas travailler beaucoup plus à plat et non avec la pointe du pinceau. D'accord? Donc c'est vraiment, tu vois vraiment, on va vraiment le travailler plus à plat. D'accord? Comme de la résine. Ok? C'est très rare qu'on travaille avec la pointe de du pinceau, sauf si on en a mis dans les cuticules, alors on viendra passer comme ceci avec le pinceau. D'accord? Alors oui, mais vraiment avec une démo, donc pour le travailler, si on sait travailler que le gel, on trempe le pinceau dans le cleaner. Coucou à toutes celles qui nous rejoignent. Oui, mais c'est pas grave pour les résineuses. Vous devez tester. Vraiment, vous devez tester. Ici, on est en live, donc j'arrive pas à bien faire le mouvement, d'accord? Mais je vous promets que je vais essayer de faire une vidéo où on voit bien le mouvement, d'accord? Je vais vraiment essayer de vous faire ça. Mais là, bon, en live, je suis pas bien mise et tout. Mais je vous assure, c'est vraiment pas compliqué du tout. Du tout, du tout, du tout. Dans la marque avec laquelle je travaillais avant, ils en avaient aussi. Et en général, beaucoup de filles arrivaient sans devoir venir suivre un cours. Oui, voilà, Daisy. Donc, moi, je vais essayer de faire une vidéo vraiment pour bien montrer le coup de pinceau qu'il faut avoir. Et qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. Et de toute façon, je proposerai aussi c'est une demi-journée pour apprendre à bien utiliser son pinceau. Vraiment. Erika. Ça va aller, Erika. D'accord? Donc là, ben, mon baby boomer, il est fait. Ah, ben voilà. Lydia peut en témoigner aussi. Avec l'ancienne marque que j'avais, Patty, j'ai essayé de faire la 3D, mais bon, je suis pas vraiment spécialiste pour faire la 3D, donc voilà, mais je pense qu'il y a moyen, avec le blanc, il y a moyen de le travailler. Ok. Donc voilà, mon baby boomer, ça a été fait en deux temps, trois mouvements. Et puis, je peux prendre mon clear. Bon, ici, c'est un peu plus embêtant parce que je dois frotter chaque fois mon pinceau entre eux. Mais quand on fait les 10 doigts, ben voilà, ça va très vite. Donc ici, je vais prendre plus de clear. À mon avis, avec le soft pink, ça doit être joli aussi. Si on vient remettre le soft pink dessus, à voir comment il sera. Ou on peut simplement venir remettre un gel rosé laiteux sans problème. Donc, par exemple, nous, chez Jana, on utilise le Pinky Marmelade. On peut venir remettre le Pinky Marmelade par-dessus, vraiment sans problème. OK? Donc, vous voyez, mon pinceau, il reste plat. En fait, le principe de la résine, c'est on fait une boule, on aplatit la boule et puis on écrase les bords et on lisse. C'est la même chose. Alors,
Ellie Nails, oui, tu peux faire un full simplement. Tu peux travailler avec du cover ou du clear et faire tout ton modelage avec ça. Et ensuite, limer et venir mettre la couleur. Il n'y a pas de souci. Ok. Donc voilà, là ici, on disait que j'avais fait mon bombé. Ok, donc voilà. Lisser, simplement. Ah, on ne me voit plus, pardon. Lisser, 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 simplement. Hop. Et si on en a mis de trop, vous voyez, hop, j'ai le surplus qui peut s'en aller. Donc ça, je vous dis, au début, c'est un problème que vous allez rencontrer, en mettre de trop ou trop peu. Ok? Donc ici, voilà, j'ai fait tomber mon morceau qui avait de trop. Et on lisse. Il y a un peu de travers, hein? Mais bon. Ok? D'accord? Alors, Karine, oui, il est opaque, mais quand il est catalysé et limé, il est tout transparent. Si c'est bien lissé, pas besoin de limer. Si, pour un full, il faut limer, Rika, quand même. Quand même. Il y a quand même un minimum. Et donc, vous verrez la pose que je vous la posterai, je la reposterai tout à l'heure. Donc cette pose, elle était vraiment, j'avais mis plein de paillettes et tout, et c'était pas opaque, on voyait vraiment bien toutes les paillettes. Voilà. Donc après, ben, il reste plus que le limage avec la lime, et puis finition. Ok? Alors, je vais essayer de vous montrer sur un chablon pour le clear. Je sais pas comment je pourrais faire tenir un chablon. Je vais essayer sur un pinceau. Est-ce que j'ai un pinceau assez large ici? Alors, je vais vous montrer ici sur chablon. Donc sur chablon, je vais vous faire une démo avec du clear. Donc je vais prendre un pinceau ici. Voilà, ok. Ok, donc j'espère que ça tiendra. Ok, on verra hein, si ça tient. Donc, j'ai mis un chablon, d'accord? Et je vais vous faire une démo avec le clear et une French blanche. Ok? Donc, je vais prendre du clear. Ok. J'espère que je vais arriver à décoller de mon pinceau après, hein. Ok, donc je prends mon clear sur mon chablon. Hop, je trempe mon pinceau dans mon cleaner. Et je vais venir faire mon rallongement chablon. Donc simplement, je lisse, hop, je sens que ça colle, je retrempe. Oui, Coralie. Voilà, donc pas hésiter à faire du fin. Ok, donc je ne sais pas si vous voyez quelque chose parce que c'est vraiment super transparent. Ok, on voit quand même un peu. Ok, donc là je vais catalyser. Ok, donc je dépose. Je vais prendre mon cover. Ok.
Donc je me remets ici pour que vous voyez bien. D'accord. Donc voilà. Mes mères vont en prendre. Tu les mettras de côté quand ils arrivent. Oui, mes mères. Donc ici, je vais venir faire mon reverse. Donc, j'écrase. Hop. Je vais essayer de me remettre droite. Hein. Bon, là, j'ai pas de cuticule, les filles. Je vois pas où je m'en vais. Mais vous voyez, là, sans le travailler, j'ai déjà un reverse qui est pas mal. Oui, Erika, même temps de catalysation. Mal mise. J'essaye de vous le faire le mieux que je peux, les filles. Oui, Karine, beaucoup de gain de temps. Quand je vous referai la vidéo, je ferai ça sur les mains de quelqu'un parce que là, comme ça, c'est vraiment pas évident. Ok, donc voilà, on voit mon reverse. Ok. En base, je mets la booster bonne, Coralie, bien évidemment. Ok. Bon, c'est plus ou moins ça, hein. Sur un bâton comme ça. Voilà. Ok. Donc maintenant, hop, comme ça vous voyez mon reverse. Et encore, je vous dis, là, il est très, très, très mal travaillé. Hein. Vraiment, je suis mal mise. Donc, c'est vraiment plus pour vous montrer la qualité du produit. Bah oui, Coralie, je sais pas pourquoi tu as posé la question, voyons. La booster bonne, c'est la vie. Oui, Ali. Donc, ici... Je vais prendre le blanc. Ok. Je vais venir déposer mon blanc. Alors, si Yana nous sort des chablons transparents, Yana, sors-nous des chablons transparents. le top, c'est qu'il ne faut même plus mettre de clear en dessous. Mais c'est vraiment recommandé d'avoir des chablons transparents. Alors, demandez tout à Yana qu'elle nous sorte des chablons transparents. Pas perform clear, Yana. Donc, vous voyez qu'ici, je viens faire ma French. D'accord? Ok, donc je place un peu... ma matière n'importe comment. Ok. Ok. Hop, je dois bien descendre pour mes parallèles.
Ok, et ici, je viens nettoyer simplement. Et quand on a un reverse bien fait, ben, ça se place tout seul. Ah, ici, on voit qu'il est un peu gondolé, d'accord? Voilà, mais après, maintenant, il faudrait que j'en remette un petit peu au-dessus, ok? Mais on voit déjà que c'est super facile de faire une French blanche comme ça. Voilà. Mais je vous dis, ici, c'est vraiment présentation du produit, de la matière, ok? Je vous referai des vidéos bien plus détaillées, plus correctes, d'accord? Ok? Voilà, je vais catalyser. Donc, le cover, il est pas bon du tout, hein? Ok? On voit qu'il est un peu... qu'il est de travers, je sais pas si on le voit. Il est un peu de travers et il n'est pas bien travaillé. Donc, je referai de bonnes vidéos. D'accord? Merci, Elena, d'avoir traduit. C'est avec plaisir, Erika. Oh yes, Yana, yes! Ah, super! Thank you, Yana! Oui, Elena, j'y ai pensé, c'est vrai. Ok, donc voilà. Donc là, ça a bien catalysé, ok? Mais comme je vous dis, mon cover... Is not good, my cover. Oui, Aurélie. Aurélie, c'est pas comme du gel, t'as déjà testé. Bon, maintenant, je sais pas si je vais savoir le ravoir de mon... Hein, voilà. Alors là, la preuve de la tenue, vous avez vu comme j'ai eu du mal à le catalyser. Regardez par en dessous. On a vraiment la netteté. Ok. Donc après, au limage, ben, tout va se placer correctement. Hop. Coucou pour celles qui arrivent. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez voir? Parce que là, je pense que j'ai un peu fait le tour. Hop. Donc vraiment, quand on a un chablon transparent, eh ben on n'est plus obligé de mettre le clear en dessous. On peut directement venir mettre le cover et le blanc, comme pour la résine. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez voir? C'est rien, Sandra. Je laisse la vidéo, en replay. Donc pas de souci, elle va rester. Le nouveau cover, ah ben oui, tiens, je peux vous les montrer. Donc ici, oh, génial, je déchirais mon étiquette. Ici, c'est le Jelly Naked Skin, ok. Donc il a vraiment une texture comme tous les jelly, d'accord. Mais Karine, tu avales tout près de chez toi. Une petite danse, non, peut-être pas. Alors ici, mon baby boomer, moi, je l'ai fait avec le Alice, le pink blush et le pinky marmelade. Donc, le cover Naked Skin, donc c'est celui-ci. Ok. Donc, de nouveau, un cover qui coule pas. Donc là, pour celles qui arrivent, on n'est plus dans le dans l'acryl gel. Hein. Les filles m'ont demandé de voir le nouveau cover Jana. Je dirais qu'il est quand même un peu plus auto-égalisant que le Jelly Rose. Je sais pas si vous voyez. Mais il se travaille super bien. Hop. On arrive à faire un beau mur assez rapidement avec.
Alors Delphine, en fait, si tu mets pas un chablon transparent, comme c'est très pigmenté le cover et le blanc, ça va pas catalyser. C'est le naked skin, Mélanie. Si tu travailles directement sur chablon, ça va pas catalyser en dessous. D'accord? Donc c'est pour ça on met du clear et puis on peut pincher et tout, puis on peut retirer le chablon et puis venir mettre le blanc et le cover. D'accord? Et donc ça va catalyser par en dessous. Mais si tu mets un chablon coloré, bien ça va pas catalyser par en dessous. D'accord? Donc voilà, ici le naked skin, bah, il bouge pas quoi. C'est de la bombe comme toujours. Oui, là je suis avec un gel classique et je viens de faire un reverse quoi. Alors, donc je le catalyse pas hein, pour bien vous prouver que les jellies chez Jana, ça ne bouge pas. Vous pouvez faire. Alors, le fibre cover, donc lui, il est beaucoup plus liquide, ok? On voit, sa texture est beaucoup plus liquide. Il va plus être comme le classic fiber, d'accord? Mais vraiment bien à travailler en reverse aussi. J'ai pas l'habitude de travailler avec un pinceau ovale pour faire mes reverses. J'aime pas ça du tout. Mais donc lui, si je le laisse, il va couler. D'accord? Mais voilà, il se travaille super bien et il est totalement auto-égalisant. Totalement. Et on peut voir que toutes les petites fibres de verre, ben, elles ont déjà disparu. Ok? Mel, je savais que t'aimerais bien, que tu les aimerais bien tous les deux. Mais donc voilà, lui, on voit qu'il est en train de couler parce qu'il est beaucoup plus liquide que mon jelly naked skin, il n'a toujours pas bougé, quoi. Hein? Ok, si Erika, si tu viens, tu as le droit d'acheter dans mon magasin. Donc, voilà, vous voyez ici, il est en train de couler, d'accord? Donc, beaucoup plus liquide, mais totalement auto-égalisant. D'accord? Et voilà pour les deux. Pour la petite démo, avec l'acryl gel. Ok, alors voilà, ben, je pense que j'ai fait un peu le tour. Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre que vous voulez voir. Dites-moi, faites-moi savoir. Alors donc, porte ouverte oui, Nathalie, chez Ongles de Valeur, chez Ongles de Valeur, chez Valérie Blanchy. Elle a son magasin et son site internet. Sandra, en France, il y a toujours. You are welcome, Yana. Thank you. En France, il y a toujours Julie Salg. Julie Salg qui est distributrice pour la France. Donc, il n'y a pas de souci. Vers Lyon, je ne sais pas du tout. Oui, merci Mélanie. Donc voilà, je vais vous dire au revoir. Et donc, 19 novembre, porte ouverte chez moi à Pontacel. Vous êtes toutes les bienvenues. Vous pourrez tester le produit, d'accord? J'espère que j'aurai reçu les produits d'ici là, mais je vais faire un petit mail à Yana. Donc 19 novembre porte ouverte chez moi et j'allais dire quelque chose, je ne sais plus. Oui, je vais ouvrir dans la soirée des précommandes, d'accord? Mon mari qui dit qu'il a faim.
Donc je vais ouvrir les précommandes sur mon site. Je pense que Valérie va le faire aussi. Je pense que Daisy va le faire aussi. Donc vous pourrez précommander sur nos sites. Donc si vous voulez voir les distributrices pour la Belgique et la France, vous allez sur www.jeannanels.com. Et là, vous trouverez toutes les distributrices. Donc, Valérie, Daisy et moi, c'est sûr, on ouvre des précommandes. Enfin, je pense que les filles vont le faire aussi. le pauvre, il a tout le temps faim de toute façon, hein. Et donc, voilà. Donc, je vais laisser les précommandes, moi, jusque samedi, d'accord ? Jusqu'à dimanche, parce que lundi, je dois... Oh là 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 là, ouais, non. Lundi, je vais envoyer, oui, ma commande chez Jeanna, j'aurai pas le choix, parce que si je fais ma précommande, si je vous la laisse que jusque demain soir, c'est quand même trop tard. Donc oui, je vais les laisser jusqu'à dimanche, donc allez-y, précommandez, et voilà, il faut compter 15 bons jours pour les recevoir, ok? Je sais pas, Coralie, je vais mettre tout ça sur je mettrai tout ça sur Facebook, je vais mettre tout ça au point, ça s'est décidé aujourd'hui, donc la porte ouverte, je sais pas encore à quelle heure, j'ai vraiment décidé ça aujourd'hui, il faut vraiment que je le fasse, donc voilà. Ça va? Non mais mère, je t'oublie pas. Bisous les filles, bonne soirée, ciao ciao.